Coucou mes décorologues et de bons retours sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien car moi ça va. Alors aujourd'hui on se reprend avec une nouvelle vidéo. C'est une vidéo organisation de la cuisine. Plus précisément les placards et les tiroirs. Alors ça va faire 3 mois le 1er décembre depuis qu'on a aménagé dans notre nouvelle maison. Et pour être franc avec vous, quand j'ai aménagé, j'ai juste classé les choses telles quelles. J'avais pas une organisation précise, mais à fur et à mesure, tu vois qu'on vit, que les temps passent, on commence à comprendre l'ordre de la cuisine, comment elle fonctionne, où on aimerait avoir certaines choses. Alors, j'avais fait une vidéo à cela quelques semaines, comment j'ai organisé mon cellier et l'armoire à vaisselle. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur d'autres placards à travers la cuisine. Alors j'ai beaucoup de placards, tiroirs, mais le temps, je n'en ai pas beaucoup. Alors je fais ça fur et à mesure, étape par étape. Alors c'est une vidéo très motivante, très excitante. Moi, j'aime ça, l'organisation. Hein. J'aime motiver et tout. Hein. C'est satisfaisant d'organiser, de restocker les boîtes vides et tout, et tout, et tout. Alors prenez des chaises, des plaids, une bonne tasse de thé, café. Toujours dépendant à l'heure à laquelle vous visionnez la vidéo. Alors, mettez-vous juste confortable hein? Et regardez jusqu'à la fin. C'est dimanche aujourd'hui et c'est le jour où je fais les courses pour les enfants. Je le fais toujours dimanche car si je le fais samedi, je vous dis, il n'y a plus de bouffe pour lundi quoi. Alors j'ai acheté des biscuits, des gâteaux, tout ce qui peut remplir leur boîte à dîner. Alors tantôt, vous m'avez vu, j'ai séparé mon sac de semoule. Juste entre parenthèses, chez nous ici, la semoule ne manque pas. Si ça manque, je vous dis, c'est un crime. Alors, comme on achète un grand sac, je ne veux pas mettre le grand sac tel quel dans le garde-manger. Peu importe, ça ne va même pas rentrer. Alors, je le mets dans un grand bac et par la suite, je le divise en petites quantités qui va me servir au quotidien lors de ma préparation de nourriture. Par la suite, je vais échanger le contenu de ce tiroir car je vois que le tiroir de droite est vachement plus grand. Ça va accommoder mes conteneurs avec des couvercles. Là, ces couvercles-là, je vous dis, c'est un vrai casse-tête. Et dans l'autre, je vais mettre les boîtes à dîner. Je voulais vous remercier, vous, mes décorologues. Vous me faites gravement plaisir. Merci infiniment pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça va droit au cœur, je vous dis. Il n'y a pas une nuit que je passe sans rire, en fait. Vos commentaires me font du bien. Et aussi, ça m'enseigne, ça me fait bouler. Et puis, ça me fait penser à comment je peux changer, comment je peux progresser sur ma chaîne. Alors, merci infiniment pour cela. Vous me faites du bien. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui regardent mes vidéos et qui partagent. Ça va droit au cœur. Et pour les nouveaux, bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, mon nom est Vanessa. Je fais des vidéos sur la rénovation, décoration, organisation et DIY. Alors, définitivement, si c'est un contenu qui t'intéresse, reste abonné car les aventures n'ont pas encore commencé. Mais sinon, merci infiniment d'avoir cliqué le bouton rouge et activé la cloche de notification. Continuons la vidéo. Dans ce tiroir, j'ai décidé de ranger tout ce qui est levure, baking powder, mes petits supplies d'anniversaire, comme vous pouvez voir, mes colorants,
tout ce qu'on a besoin quand on fait un peu des gâteaux, j'ai des petits moules. Et comme vous pouvez voir, alors j'ai décidé de ranger tout ça là. J'ai mis les sacs de levure qui étaient ouverts dans des Ziploc bags pour pas que ça se renverse. Et si ça se renverse, ça ne va pas faire trop de dégâts. Alors c'est ça, l'organisation continue. Toujours en respectant le désencombrement visuel. Alors, tout ce qu'il y a, des noms, des marques et tout, si j'ai un conteneur vide, ben, je profite à verser le contenu. Hein. Ça fait plus propre, ça fait désencombrer. Passons à l'organisation des tiroirs. Alors, quand je faisais la configuration de ma cuisine, j'ai opté pour de grands tiroirs. Alors, ces tiroirs-là, je vous dis, ils sont extra larges car je comptais mettre tous mes ustensiles et mes longues fourchettes là pour le barbecue. Alors, je suis vraiment contente d'avoir opté pour cela. Je vous dis, il y a beaucoup d'espace. Alors, mes conteneurs là que vous voyez, je les ai achetés à Dollarama. Ça fonctionne très bien. Et j'ai plusieurs compartiments. Alors, on a tous un tiroir, un fourre-tout, un tiroir. Alors, moi, je ne suis pas épargnée. Alors, dans le tiroir du haut, juste au coin là, en fin de compte, c'est mon petit fourre-tout. Je mets un peu de tout. Hein. Alors, c'est ça. Continuons l'organisation. Si vous avez remarqué, le tiroir du haut prend toujours de la saleté, des miettes et tout. Alors moi, j'ai toujours conseillé à mes enfants ou quoi, quand ils sont dans la cuisine et qu'ils se servent ou ils font leur petit-déj, de s'assurer qu'une fois qu'ils ont pris ce qu'ils ont besoin, de toujours bien refermer le tiroir. Le tiroir que je voulais tellement attaquer, c'est le troisième, celui où je range toutes mes longues fourchettes de barbecue et mon papier aluminium et un peu plus d'autres choses. Alors, j'ai acheté ces séparateurs en bambou au Dollarama pour 4$ chacun. J'ai voulu essayer pour voir si ça allait bien fonctionner car mes tiroirs sont très longs et des séparateurs tels quels, même sur Amazon, j'ai trouvé ça un peu coûteux. Alors, quand j'ai vu ça à Dollarama, j'ai dit vas-y, pourquoi pas, je vais tenter ma chance. 4$, je peux me le payer. Alors, j'en ai pris deux. On va voir si ça fonctionne. Alors, ces séparateurs sont vraiment bien, je vous dis, ils sont faits en bambou. Il y a un ressort, alors c'est ajustable. Je vous dis, une fois que vous le positionnez, ça ne bouge pas. Alors, j'ai vraiment aimé pour le coût et ce que ça fait, ça vaut définitivement la peine. J'en ai acheté deux et comme vous voyez, ça sépare très bien mon tiroir. Au fond là-bas, je mets mon papier aluminium. Au milieu, je mets des ustensiles, des longs ustensiles et aussi des couteaux. Pour éviter à devoir toujours essuyer le bas de mon four après chaque cuisson, j'ai opté pour ces plateaux en aluminium que j'achète au Dollarama pour 1,25$, je vous dis. J'en mets un en bas et puis je le change au besoin. Mais franchement, depuis que j'ai commencé à faire ça, je vois que je nettoie de moins en moins mon four. Et pour être honnête avec vous, depuis que j'ai mon air fryer, le four, c'est devenu vraiment esthétique. Hein. We'll be right back.
question des placards et tiroirs terminée. Alors, ceux-là étaient les seuls tiroirs que je voulais organiser aujourd'hui. Mais là, je vais maintenant passer au frigo. Mon frigo n'est pas sale, mais juste, il n'est pas organisé. Et après avoir fait des cours, on a juste classé les choses telles quelles. Alors, je prends le temps un peu de nettoyer et d'organiser les courses. Alors, moi, je fais étape par étape. Vider mon frigo, c'est vraiment rare. Hein. Seulement, par exemple, s'il est vraiment sale ou quelque chose s'est renversé. Mais sinon, je le fais étape par étape, étagère par étagère. J'apprends à mes enfants de toujours remettre les choses à leur place. Mais ce sont des enfants, hein, on se comprend. Et par la suite, je vais essuyer les portières. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de marques de doigts et un peu de saleté. Et enfin, j'ai terminé l'organisation de mon frigo. Alors, j'ai pas vraiment une organisation telle quelle, mais j'essaie de respecter l'ordre. En haut, je mets le pain. Au milieu, je mets les produits laitiers. Et troisième étage, je mets la charcuterie, mais je laisse toujours un espace pour les leftovers, hein, les casseroles et tout. Et plus bas, je mets les fruits, légumes, comme vous pouvez le constater. J'ai maintenant des chapitres dans mes vidéos, alors si vous êtes intéressé à une partie en particulier, ben, dirigez-vous à l'aide des chapitres et puis vous vous retrouverez facilement. Sur Amazon, j'ai trouvé ces protège-poignets. Je trouve ça trop efficace, surtout nous, là, quand on prépare, on a toujours les mains sales, on touche les poignets et tout. Alors, ça vient en lot de 5 ou 7, si je ne me trompe pas. Je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. Alors, allez voir ça si vous êtes intéressé à couvrir vos poignets sur vos électroménagers. Une autre astuce que j'ai appris chez une cosseur youtubeuse, c'est comment conserver nos oignons verts juste en les trempant dans un gros vase et les plaçant dans le frigo. Ben, vous allez prolonger leur durée de vie en fin de compte. Mon lave-vaisselle commençait à dégager. Alors, à l'aide de bicarbonate de soude et un peu de vinaigre blanc, je fais tourner un cycle de rinçage et je vous dis par la suite, il redevient tout neuf. Hein. La vidéo tire à sa fin, mes décorologues. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ça fait toujours plaisir. Si vous ne l'avez pas encore fait, laissez-moi des pouces bleus. Ça va droit au cœur et ça aide ma chaîne aussi à progresser. Alors là, maintenant, je vais nettoyer le plancher. Alors, tout ce qui vient d'en haut tombe en bas. Alors, je vais passer un coup de balai, un coup de serpillière et ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, j'espère que la vidéo vous a motivé, vous a inspiré, vous a donné plusieurs astuces de rangement et d'organisation placard et frigo. Mais avant la prochaine, stay safe, stay healthy and stay blessed. But most importantly, keep it looking fabulous. Merci. À la prochaine. Bye. Keep me company. To my
my darkness, you're a shining light. You're the reason I'm not scared at night. 'Cause you are as sweet as can be. And I feel the bitterness leaving me. And you are as sweet as can be. Holy love of mine, with you I get by every day. When in times like these and I need a friend, you will carry me until the end.